Là-bas, regarde, là-bas. Dans la nuit, à l'aube ou au crépuscule, ces êtres au plumage soyeux ne sont autres que les rapaces nocturnes. Ouais. Allez, viens, viens. On est tout dépend. Dans l'extrémité de la plume, il chasse dans le plus grand des silences. Il veut pas. Allez, gagne. Allez, sur un peu. Il est bon. Ouais, il est bon. Oula. Il est passé, c'est quoi? Regard à gauche, l'autre à droite, la tête vient d'opérer un tour à 270 degrés. Ils surprennent ainsi leurs proies que sont les rongeurs et autres petits mammifères. La chouette lapin détecte le moindre animal, même sous une épaisseur de neige d'une centaine de centimètres. Très similaire, chouettes et hiboux se différencient au niveau des aigrettes. Seuls les hiboux, comme ce grand duc du Bengale, présentent de petits toupets de plumes sur la tête. Au cri plaintif, les rapaces nocturnes étaient jadis considérés comme les invocateurs du mal. De nos jours, ils attisent la curiosité et évoquent un univers féerique. Durant des siècles en Europe, mais certains oiseaux ne donnent pas en reste. Il y a un jour. Connaissez-vous le caracara, emblème national du Mexique? Nous le retrouvons ici, coiffé d'une couronne noire et vêtu d'un plumage brun et crème, accompagné de buses venues de toutes les contrées. L'homme a toujours admiré les capacités des rapaces. Au fil du temps, il a appris à les côtoyer et à les entraîner pour chasser à ses côtés. De nombreux pays pratiquent la fauconnerie, du Moyen-Orient jusqu'en Europe. D'origine très diverse,
les fauconniers partagent des valeurs, des traditions et des pratiques communes. Yama est un fantastique coureur, atteignant des pointes de vitesse de 30 à 40 km/h. Lors des chasses, il saisit sa proie. La jette au sol afin de l'assommer pour ensuite la déguster. Le roya ventre bleu, quant à lui, capture principalement ses proies au sol. Mais il est tout à fait capable d'en attraper en plein vol. Il peut s'agir de sauterelles, criquets ou de scarabées par exemple. Elle se joint à nous pour ce spectacle. Aux chasseurs de haut vol, connus pour être les plus rapides dans les airs, atteignant pour certains 300 km/h en piqué, place aux faucons. Ah, une faux, je viens. Ah, ils sont là. Ils sont là. Ah, il s'est caché. Oh. Afin de vous présenter leur prouesse, nos fauconniers stimulent les oiseaux à l'aide d'un leurre, petit support de cuir sur lequel est fixée une récompense. Cette technique permet de recréer leur comportement naturel de chasse. Oh bah, viens, voici le haut. Après quelques tours, l'oiseau saisit le leurre et jouit de sa proie. Laissant au rapace un temps de dégustation, le fauconnier lui fait alors courtoisie. Affêter signifie amener un oiseau de proie à chasser pour soi. Profitons de cet instant pour aborder la différence entre mâle et femelle. Nommé tiercelé, le mâle est un tiers plus petit que la femelle, alors appelé la forme. Et le faucon le plus utilisé pour la fauconnerie arabe. Les jeunes femelles sont préférées.
quel âge? Les insectes sont là-haut. Tel un funambule, l'acrobate de l'heure doit son nom au terme décrivant autrefois les saltimbanques et autres artistes de rue. Doté d'un plumage aux multiples couleurs, noir, brun, gris et rouge au niveau des joues, il se distingue ainsi des autres oiseaux que nous observons en vol. Saisissante, trois fois supérieure à la nôtre. Les aigles sont d'impressionnants chasseurs. À 2 kilomètres de distance, un lapin a peu de chances de passer au travers de cette vue perçante.